aujourd'hui, on fait un petit voyage à travers ce concours qu'on a créé spécialement pour nos enfants de l'école. Ce jour devrait présenter les trois pays. Alors la culture, l'histoire, les traditions, tout simplement pour faire connaître le pays de l'Europe centrale. Alors, c'est pour présenter un peu un jeune public algérien, les enfants qui étudient, auxquels il faut ouvrir un peu les horizons. Donc, il faut qu'ils connaissent un peu plus quels sont les autres, si vous voulez, côtés ou pays de l'Europe. Donc, voilà notre but, le but, disons, de ce concours. Donc, vraiment très content, très heureux que les jeunes gens sont tellement enthousiastiques et ils ont appris beaucoup de choses grâce à cette initiative. Ce concours aujourd'hui, c'est un investissement dans la nouvelle génération des Algériens. Et honnête, pour être honnête, les règles étaient un tout petit peu difficile au début, mais après, au fur et à mesure, quand vous jouez au jeu, c'est un jeu de loi qui est très très amusant. Surtout que ça vous apprend la culture de plus en plus sur les six pays qui concernent le décret de Visegrad, ce qui est très 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 intéressant. Donc vraiment bravo, parce que ce sont des questions très difficiles. Alors j'espère que grâce à ce concours préparé par l'ambassade de la Pologne, vous avez pu découvrir de nouvelles choses.